Mon nom est Quevedo, mon prénom est Michel. J'ai été intendant du Montpellier Hérault de 1990-91 à 2003-2004. Eh bien, disons que je travaillais depuis peu de temps chez M. Nicolin comme chauffeur. Et un jour, il s'est trouvé que quand ils ont gagné la Coupe de France, ils recherchaient un intendant pour pouvoir suivre pour l'Europe, quoi. Et j'étais en train de travailler justement sur le volant Intergo. Ils étaient avec Asperzac, M. Nouzaré, M. Nicolin, et j'étais en train de travailler là, devant le théâtre. Ils m'ont vu, et comme j'étais dirigeant au club depuis 15 ans, et ils ont fait ce choix. Bon, après, M. Nicolin m'a convoqué chez lui. Bon, je lui ai dit que je n'avais pas fait de conneries, quoi. Puis il m'a dit non, pas du tout, j'ai confiance en toi, je te connais. Et il m'a dit, est-ce que tu veux travailler pour nous comme intendance, pour l'intendance du club, quoi. Alors, j'ai dit, moi, je veux bien essayer, puis ça a duré 15 ans jusqu'à ma retraite, 14 ans, quoi. Eh bien non, j'étais le premier, je me suis formé moi-même sur le tas, ça n'a pas été évident puisque c'était la première année. Bon, en plus, il fallait que je prépare les affaires d'entraînement. Il manquait beaucoup de matériel, mais bon, peu à peu, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour pouvoir laver les affaires et les sécher à temps pour que l'entraînement soit fait soit l'après-midi, soit le lendemain. Eh bien, j'étais un peu impressionné, mais vous savez, ce sont des enfants aussi. Bon, mais j'ai jamais donné la valeur à un plus qu'à l'autre, quoi. Même si l'un était plus important que l'autre, je les considérais tous pareils, et j'essayais d'être bien avec eux, et de jamais, toujours les mettre dans le plus grand confort et le plus à l'aise possible, quoi. On ne peut pas se permettre de préférer quelqu'un que d'autre. Après, il y en a d'autres qui sont comme Pascal Bay, qui se sont retrouvés, Jean-Louis Gasset, que je connaissais, et puis tous, les joueurs qui passaient entraîneurs, Bernardet, tout ça, c'était bien. Moi, j'étais, disons, 24 heures avec eux quand on partait en déplacement. Après, ils me voyaient aux entraînements à Grammont. J'avais un local où ils venaient chercher leurs affaires, que je leur donnais, etc., pour pouvoir remplacer le double pour l'entraînement précédent. Et voilà, il y avait une bonne amitié. Et puis, bon, voilà, je restais là. Et puis, s'ils avaient besoin de quelque chose, j'étais à leur disposition, quoi. Ce qu'il y a de qui était fort en moi, c'est que je revoyais des enfants qui étaient passés dans mon équipe, comme Jean-Claude Christophe Rouvière, le petit Candela qui est parti après. Il y avait Sanchez, il y avait Bonicel, Jérôme, moi je vous parle de mon époque, hein, que j'avais eu dans ma catégorie avec l'entraîneur qui s'appelait Pierre Hernandez, Pepe Hernandez, qui lui était un bon formateur et qui voyait le gamin s'il avait la possibilité de passer ou pas. Il avait quelque chose en lui qui faisait que il m'a dit il passera pas, et souvent quand je parlais avec lui, j'ai vu par la suite, quoi, que ce qu'il disait était vrai, quoi. Vous savez, quand vous avez un petit comme Lefebvre, quand vous avez un petit comme Rouvière, que vous avez eu à 12 ans, et qui vous accompagne par la suite en travaillant au club, tout ça, Bruno Carotti, je l'ai connu aussi, ce sont de façon, Philippe Delaye, pareil, ce sont des enfants qui travaillent toujours au club, et que je sens qu'il y a quelque chose qui passe, quoi, entre nous. Les joueurs partent. Considérer Laurent Blanc aussi, mais bon, il était pris par sa classe, quoi. Je ne pouvais pas trop me montrer envers lui, quoi. Il y a même Kader Ferraoui. Kader Ferraoui, pour moi, je sentais qu'il y avait ça passait, quoi. J'ai jamais eu de problème. Pascal, toujours, et je le vois de temps en temps, maintenant un peu moins, parce que. Mais ça va, moi, j'ai pas une préférence. J'ai eu des joueurs comme Zuber, Carlos aussi. Carlos était d'une gentillesse. Puis comme je comprenais un peu l'espagnol, tout ça, je sympathisais avec lui. Ouais. Mais pas plus, ça n'allait pas plus loin. Après, c'était normal, quoi.
Mais bon, j'ai pas connu de problème avec les joueurs. Ils ont été tous parfaits, tous. Ils vont commencer une saison, ils vont commencer leur premier match compétitif, c'est-à-dire hein, qui compte, quoi. Et ils sont très superstitieux. Ils sont très superstitieux. Ils arrivent même à garder des sous-vêtements qu'ils ont gardés le premier match. Puis surtout tout cela, tout ça. Mais ils reviennent avec les mêmes affaires. Puis après, ils ont des petites manies personnelles, quoi. Bon, même pas une victoire. Seulement le match de Manchester. 1-1. D'ailleurs, j'ai récupéré le maillot de celui qui s'était marqué contre son camp. Et il m'avait donné son maillot parce que, comme il avait marqué contre son camp, il ne voulait pas. Mais ça avait été une petite victoire. Bon, j'ai toujours cru que, avec l'équipe qu'il y avait cette année-là, je pensais qu'à la Mosson, puis ça a changé. Il y a eu des aléas du football qui ont fait que, malheureusement, on n'a pas pu. Il y en a qui ont disjoncté. Manu Tétis, tout ça. Et Claude Barabé, qui a eu ce jour-là où il valait pas ce jour de sa vie. Le ballon a glissé comme une larconada, quoi. Après, bon, il y a eu des voyages où vraiment c'était difficile, mais on a gagné. Quand on a joué contre l'Étoile Rouge de Belgrade aussi, c'était pas évident. Mais c'était l'Intertoto, on l'a même gagné, l'Intertoto. On avait gagné aussi la première Coupe de la Ligue. Hein. Arrangé, oui, arrangé, oui. Mais bon, elle comptait pratiquement, moi j'ai dit pour du beurre, mais bon, après c'était plus la même. Oh, les souvenirs, ça a été, pour moi, ça a été, je sais pas, comment dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre, quoi. Que c'est bien de vivre, parce que ce qu'il y a dans ce métier, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Et dès qu'il y a un peu de bien, ça vous fait plaisir. Tandis que bon, quand il y a une défaite, bon, vous baissez la tête et voilà, on peut pas rigoler parce que puis après le lendemain ça s'éteint et on essaye de repartir sur un bon pied pour pouvoir éventuellement retrouver de l'animation et de la joie quoi, pour jouer. Mais une défaite c'est toujours dur quoi. Voilà, moi ce qui m'a marqué le plus aussi, c'est quand on gagnait à l'extérieur, qu'il y avait le président qui tapait sur la table quoi. Et que tout le monde, on était là, on vivait ça comme un. C'était bien, quoi. Il faisait le cri de guerre et ça voulait dire qu'on avait gagné, quoi. Et ça m'a toujours tout pris, bon. Et tout le monde est content, bien sûr, ainsi les entraîneurs, les adjoints, et voilà, et les préparateurs physiques, les kinés, tout le monde est content, quoi. C'est des choses bonnes à vivre. Mais bon, c'est vrai que. Souvent, ça me perturbait parce que j'arrivais pas à retrouver mon. Quand vous arrivez avec une défaite, il y en a que peut-être ils s'en foutent, il y aura des meilleurs jours, c'est vrai. Mais bon, caractériellement, j'étais un peu en colère, vous voyez. Et il y avait des personnes qui le prenaient pour eux. Après, ça passait. Par contre, quand je suis parti, que par exemple, dimanche soir, dimanche, j'avais mon petit-fils du match de Toulouse. J'étais content, quoi. On a crié, on a vu un super match, quoi. Ah, de toute façon, avec la relève du fils de Nicolas, quoi. Laurent, que par contre, que j'ai eu aussi gamin, quand on allait jouer à l'extérieur, je me rappelle l'avoir apporté un jour à Ganges, quand on faisait des déplacements. Il jouait comme son frère Olivier aussi jouait. Et bon, après, là, je suis content qu'il soit président, il s'en sort bien. Surtout que maintenant, il y a un peu plus de sérieux parce qu'il y a les filles. Et puis bon, il est bien encadré. Tous ceux qui les encadrent, que ce soit les piliniers, tout ce qui entoure. Et même, vous avez Philippe Serres aussi, que des fois, j'écoute quand il est en déplacement là, sur le match. Je préfère l'écouter que regarder la télé.